Salut, bonjour. Je viens de bugger dans la première partie de la vidéo sur Dark Journalist Linda Moulton-Hove à propos des dossiers de la CIA sur les ovnis et de l'assassinat de JFK. Donc, on était à la situation, à la position, à l'opinion, à l'état d'esprit d'Alan Dulles, ancien chef de la CIA qui vient de se faire virer et qui avait la mainmise sur tous ces secrets-là auparavant. Et qui était énervé par les demandes incessantes de JFK d'en savoir plus à ses propos. Donc, il a décrété le président des États-Unis une menace à la sécurité nationale. Il l'a décrété, lui, être une menace à la sécurité nationale. En quart, on peut se demander si, à l'étude de leur constitution et de leur loi, finalement, ça ne justifiait pas administrativement, judiciairement parlant, l'exécution du président pour cause de sécurité nationale. Ils ont le droit, pour cause de sécurité nationale, de supprimer des gens. Après, il suffit d'étendre le domaine de la sécurité nationale, hein. Imaginez Coca-Cola ramène des sous aux États-Unis, quelqu'un pirate la formule de Coca-Cola, c'est une atteinte à la sécurité nationale, puisque ça va toucher la finance du système. On peut aller très très loin. On peut aller très très loin. Bon, reprenons. Reprenons, mais revenons-y très rapidement sur ce sujet-là, parce que depuis le 11 septembre, tout est devenu sujet de sécurité nationale. Et même, par exemple, une fuite de nos centrales nucléaires françaises est un sujet inabordable parce que ça porterait atteinte à la sécurité nationale. Donc on peut mourir, mais dans le silence, s'il vous plaît, hein? Surtout là-bas dans le fond, là près de la fenêtre et du radiateur. Je vous entends siffler. C'est vraiment effarant le niveau de pouvoir tenu par ces éléments clandestins du gouvernement, tels que la CIA ou le groupe MJ12. Mais enfin, il y avait MJ1, MJ2, MJ3, MJ7. Enfin, on connaît bien le MJ12. Alors, dans ces dossiers, enfin, dans ces groupes, il y avait justement Werner Busch. On peut maintenant se servir de Google et voire de Wikipédia pour s'intéresser aux 44-12. 54-12, hein, 54-12, 54-12. C'est un système d'opération couverte, caché, concernant les États-Unis depuis 1954. Constitué d'une série de sous-comités reliés au Conseil de sécurité des États-Unis, qui était en charge des opérations, en créant un groupe de coordination en 1954, créé par le président Eisenhower. Et donc, il y a eu une directive numérotée 54-12, le 15 mars 1954. C'est l'année où Dallas se sert de Ingalls. Je comprends pas bien. Prend le pouvoir sur le tampon de la CIA. C'est en fait la date à laquelle a commencé ce contre-pouvoir américain. Le Deep State s'est consolidé, hein, s'il y en avait déjà un peu avant, hein, sûrement. Moi, je pense qu'il y en avait avant, mais bon. Il a créé une filiale dans les institutions du gouvernement. Il existait déjà, mais là, il a pénétré plus profondément, je traduirai ça comme ça, hein, dans les institutions du gouvernement, notamment les parties secrètes de ce dernier. Donc, nous avons le docteur Hynek à la tête du projet Blue Book. Oh, il était très déprimé lors du dernier dîner que nous avons eu ensemble en août 1987, 5, pardon, 1985, avant que je ne parte pour l'Afrique, nous dit Linda, hein, pour produire un film sur la survivance des enfants d'Éthiopie. Hynek revenait d'Albuquerque, un voyage où il était aussi passé par les bases de l'Air Force de Californie. Et il voulait faire une rencontre avec moi et son bon copain Richard Sixsmith. Pardon, Are we Sixsmith. trip? Et aucun de nous trois ne savait qu'Hynek serait mort en avril. Et voici une image de Hynek, une pointure dans de nombreux domaines.
Et à un moment donné, Heineck m'a pris le bras, il avait des larmes dans les yeux, et lui a dit, Linda, est-ce que tu penses que je serai innocenté dans ma vie? Et nous parlions du fait qu'il savait qu'il y avait des corps d'extraterrestres et des vaisseaux qui étaient stockés à la base Norton, en Californie. On lui avait promis qu'il les verrait, promesse qui était constamment reportée. Il avait des preuves de ce qu'il considérait comme étant des attaques de micro-ondes sur Paul Benevitz et son laboratoire, et sur sa femme. And how embarrassed he was that he was used and misused by various people from the Air Force to that Ford committee at the UN, where they were talking about UFOs as swamp gas. And I remember that by various people from the Air Force to that Ford committee at the UN, where they were talking about UFOs as swamp gas. And I remember that night that he was sad, nostalgic, depressed, like talking to people that he knew were not judging him in any way, but sort of pouring out that he had gone from being a very good professional astronomer working at Ohio State. Un astronome de haut niveau travaillant à l'observatoire d'Ohio. Il avait été coopté par l'Air Force américaine pour être leur intermédiaire en tant que scientifique vis-à-vis des médias et du public sur le sujet des ovnis. Et il savait que lorsqu'il disait des choses comme ces ovnis sont en fait des feux follets, il savait qu'il mentait et qu'il savait qu'il y avait des corps. Il connaissait l'existence de ces vaisseaux à l'Air Force Norton, la base Norton de Californie. Et il nous disait, d'où son émoi à espérer être innocenté durant la durée de sa vie, de son vivant. Pardon. C'est une vraie tragédie. C'est que nous ne savions pas, ni Richard ni moi, qu'il avait un cancer du cerveau. Comme il est mort en avril 86, oui, c'est Tchernobyl, avril 86. Comme il est mort en avril 86, nous sommes jamais revus. Tiens, tiens, tiens. Cancer du cerveau sur quelqu'un qui a bien servi et dont on commence à voir que, psychologiquement parlant, il va devenir un whistleblower. Tiens, tiens, tiens. Alors qu'ils avaient remarqué donc des attaques de micro-ondes sur le labo de Benevitz et de sa femme. Je ne sais pas si c'est la femme de Benevitz ou de l'autre. Donc, il devait irradier un lieu et les personnes qui passaient dans le lieu étaient touchées. Ou pourquoi toucher madame? Ah, parce qu'elle était sûrement peut-être au courant aussi. Ah, sur l'oreiller, un homme et sa femme parlent. Des fois. À la suite, j'ai appris d'un autre agent de la CIA l'existence d'un autre projet Blue Book qui était dans un endroit vraiment très secret de la côte Est. Il nous avait dit aussi que très souvent, il pouvait y avoir plusieurs projets avec le même nom, de façon à se mêler à l'embrouille. Par exemple, il y a un autre sujet, il y a une autre façon de faire qu'ils ont. Ils vont dire, c'est un projet Rainbow. Le projet Rainbow, ça comporte le projet Red, le projet Blue, le projet White, le projet... Vous voyez, ça, c'est un nom générique pour toute une série de projets qui ont chacun le nom d'une nuance de couleur. Il aurait pu y avoir 3 ou 4 projets Blue Book. Et si vous n'avez pas le bon code qui vous donne accès aux bonnes informations, vous restez avec ce qu'on vous donne, quoi. Ça fait des années que la contre-intelligence utilise ce système. Donc, elle vient de vous dire, là, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait dans le projet Blue Book une partie qui, en fait, était très différente d'intention et de réalisation que celle qui dénigrait l'existence des ovnis aux yeux du public. Celle où bossait le père de Freeman Fly. Voici maintenant l'étude d'un mémo de Kennedy dans lequel il fait ses demandes à propos des dossiers ovnis. C'est le mémo 271. Il essayait de rapatrier sous l'autorité présidentielle ces dossiers OVNI. National Security Action Memorandum 271 en coopération
avec l'URSS à propos de ce qui se passe dans l'espace, on va dire, à propos des matières spatiales, enfin des domaines spatiaux, pardon. On peut trouver ça dans la librairie JFK ici. Et voyons aussi ce mémo qu'il a envoyé à la CIA, ça c'est peu de temps avant sa mort évidemment, à propos d'une revue de tous les dossiers OVNI pouvant affecter la sécurité nationale. Et dedans, il dit bien qu'il veut tout le matériel de la CIA connu contre ceux inconnus. Parce que quelque part, il veut partager ça avec les Russes. En quart. Les Russes, ça a beau être un petit peu, apparaît-il à l'époque, très en retard. L'URSS, on imagine ça massif et ancien. La guerre froide n'existait que pour le public, à un niveau technologique haut. Au niveau de la breakaway civilization, il y avait une équilibration des progrès sociaux des deux côtés, techniques aussi. Donc, en fait, à la limite, lui donnant ses dossiers secrets OVNI aux Russes, s'il y avait eu un équilibre réel, les Russes auraient donné aussi leurs dossiers OVNI secrets. Et vu l'étendue du pays russe, la possibilité de crash sur la toundra sibérienne étant nettement plus élevée que celle du désert de Californie, je pense que l'échange aurait été bénéfique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que les Russes sont bien en avance sur nous à de nombreux niveaux. Et comme ils ne nous agressent pas, ils n'ont pas besoin de le montrer. Mais dernièrement, en fait, tous les vaisseaux américains qui repartaient au port d'attache, l'hélice entre les jambes, avec plus aucun système informatique qui marchait à bord ou électronique qui marchait à bord, juste suite à un passage d'un Sukhoi, avec les dernières technologies de contre-mesure électronique russe, prouve bien que finalement, vous pouvez avoir la bombe la plus forte si elle ne peut pas décoller de votre silo. C'est comme qui dirait ballot. Reprends. Donc, par exemple, si vous avez des ovnis qui passent au-dessus de vos installations nucléaires, on ne sait pas d'où ça vient et est-ce que ça ne pourrait pas lancer une troisième guerre mondiale ? Donc, c'est une partie des arguments pour cette coopération à propos des dossiers OVNI que proposait Kennedy, confirmé par d'autres, à Khrouchtchev donc. Pour la CIA et les agents nazis qui y étaient impliqués et qui étaient dans la NASA, qui avaient leur propre idée d'un programme spatial secret. Dans mon interview avec le whistleblower, enfin, la personne qui lui amenait des renseignements sur le Watergate, Getty. Oui, c'est un avocat du Watergate, Douglas Getty. Getty, qui disait que son ami proche, l'espion maître de la CIA, Lee Howard Hunt, lui avait dit que Kennedy avait été assassiné parce qu'il allait partager ses dossiers OVNI. Et cet agent était en position de savoir et ne l'a pas dit à Getty dans une forme officielle, publique, dans un but de désinformation. Ça, c'est une conversation entre deux bons amis, avant que Hunt n'ait en prison, ou ne sorte de prison, n'ait des affaires carcérales, on va dire. Donc, en 2015, Getty a donné ces informations, et on y reviendra à propos de leur signification en 2019. Voici l'avocat du Watergate, Douglas Getty, qui admet que Kennedy a été assassiné à cause des dossiers OVNI. Donc Douglas Cadet, C-A-D-D-Y. Il nous rapporte la conversation. Il dit: Howard, pourquoi est-ce qu'on a assassiné Kennedy? Eh bien, il l'a été parce qu'il était prêt à donner nos secrets les plus vitaux aux Soviétiques. Et ça m'avait surpris. Comment ça, Kennedy, notre président, donner des secrets aux Russes? Jamais entendu ça. Et là, il m'a regardé dans les yeux, il a dit: la présence alien. Il m'a serré la main, il l'a secoué, et il s'est tourné et il est parti. Et c'est la dernière fois que j'ai vu Howard Hunt, la présence alien. Alors, encore, il y a quand même deux sujets là.
Est-ce qu'il y a juste la communication avec les Russes à propos des dossiers OVNI et UFO, et alien, corde alien, ou est-ce qu'il y a la révélation au public de la présence alien? Bon, il y a les deux, a priori, hein, de toute façon. Mais ce n'est pas parce qu'ils communiquent avec Khrouchtchev que le peuple russe ou l'Amérique ou le peuple du monde allait être au courant des dossiers, hein, non plus, mine de rien. Donc, il y a deux trucs là. D'ailleurs, Marilyn aussi a profité des mêmes décisions. Marilyn Monroe. Et Cady s'en voulait encore de ne pas avoir posé la seule question qui vraiment comptait à la seule personne qui vraiment pouvait répondre. Et Cady a dit à Hunt, la présence alien est donc la raison pour laquelle, comme il voulait nous la révéler, John Fitzgerald Kennedy a été assassiné. Je prends mon temps là pour parler là parce qu'on est en 2019 et on est deux à savoir ça. Deux là, enfin, à combien de kilomètres à la ronde il y a une deuxième personne qui est au courant de ça. Chacun d'entre vous qui écoutez là, demandez-vous, à moins que vous soyez dans un groupe. Mais enfin, à combien de kilomètres à la ronde se trouve la prochaine personne avec laquelle vous pourriez communiquer à ce sujet de manière équilibrée, hein, en ayant des renseignements de part et d'autre. Combien de gens sont au courant de ça? La présence alien, les ovnis. Non, parce qu'ils sont tous là à vouloir aller travailler pour bâtir des moteurs diesel, tous nos braves compatriotes. Alors, bon, il faudrait se mettre à jour. Hein? Non, franchement, c'est vachement important pour l'avenir, pour la réalité d'aujourd'hui, pour stimuler les gens à dire mais vous pourriez vivre au paradis, vous préférez continuer comme ça? Le paradis autorisé, hein, pas besoin de prendre la méthode sadomaso, tu dois souffrir pour avoir du plaisir ou pour vivre normalement. Non, aujourd'hui il y a des gens qui ont tout inventé déjà sur Terre de façon à aider à la vie de tout le monde, depuis la désalinisation de l'eau de mer jusqu'à l'antigravité, la médecine universelle, le chauffage disponible partout, la lumière, et pas dans la pollution d'aujourd'hui, les fils électriques, les Wi-Fi, les champs magnétiques nocifs, néfastes. Voilà, il y a moyen. Et ce n'est pas parce que vous ne savez pas comment ça marche que vous ne pouvez pas accepter leur existence. Le fait qu'ils existent, ça existe, le moteur antigravité existe. Le moteur à énergie libre existe. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas comment ça marche que vous savez comment ça marche l'électricité? Non, ça ne vous empêche pas d'allumer la lumière quand vous rentrez dans une pièce. Bien. Allons-y. Allons-y, je vous attends. Alligator 427 aux ailes de cuivre et d'airain. Je vous attends. On reprend. Je crois qu'on a des preuves comme quoi Dallas bossait avec Jesus James Angleton, parce que Dallas a défini l'enquête présidentielle OMJ-12 comme voulant joindre l'Union soviétique, d'aller sur la Lune, comme une menace à la sécurité nationale. Et toutes les choses qu'avait monté l'OMJ-12 depuis Truman et Eisenhower, afin de garder le public dans l'inconnu, ainsi que la presse, et nos possibles, enfin nos ennemis ainsi, enfin, et les nations ainsi perçues comme ennemis telles que l'URSS, afin de les empêcher à jamais de savoir que nous avions en notre possession des corps d'extraterrestres biologiques, que nous avions de la technologie qui défiait toute compréhension physique de la part de nos scientifiques. Hein, les scientifiques là, qu'est-ce qu'ils disent là, les scientifiques, ça n'existe pas? Oh, mais alors, mais on peut filmer la présentation à un colloque de scientifiques aujourd'hui connus, actuels, français ou en tout cas connus. On les met en présence d'un moteur en antigravité, là, on les filme et on leur dit alors, ça existe ou ça n'existe pas? Et on diffuse ça sur les chaînes, là, parce que le lendemain, là, il n'y en a plus. Déjà, le soir, je pense qu'ils n'osent pas rentrer à la maison, les mecs.
Ben, ils vont devoir rendre tous leurs diplômes, il y en a qui vont se suicider, c'est pas possible. Et puis on va pouvoir se mettre au boulot. Parce qu'en plus, c'est déjà tout, on a déjà tout ça. Hein. Au boulot, ce n'est pas dans l'invention et la découverte, non, c'est juste dans la diffusion à grande échelle au public. Il faut juste transformer les chaînes de construction de Renault, Peugeot et tout, en construction d'OVNI. C'est super simple, quoi. Ils vont gagner leur sous encore, allez, pas très longtemps, hein. Parce que je peux vous dire que dès qu'on en a, les ovnis, ils vont être mal. Ah oui, ils vont être mal. Vous vous rendez compte, 80 ans de mensonges, et combien de morts? Ben, ils n'ont plus de fortune, hein, parce que bon, on les fait rembourser, évidemment, on prend leurs biens, on les fait réparer, on les fait s'excuser. Et peut-être ils ont droit un terre-croix bédocase. Parce qu'il y a beaucoup mieux. Il y a beaucoup mieux. Il y en a des pliables, à mon avis. Hop, mais j'en ai un gonflable, il tient dans la poche. On peut imaginer des trucs comme ça, je pense. Bon, reprenons. Là, je pense que c'est une illustration. Hein. En plus, ça part du fait que les États-Unis sont convaincus qu'ils sont les seuls à en avoir. Et je pense que cette situation-là est complètement aberrante. Enfin, cette position est complètement aberrante. Question de superficie de terrain, complètement aberrante. En Afrique, en Russie, en Inde, où ils ont encore les textes qui, pour eux, justifient leur vision comme étant encore les manifestations des personnages dont on parle dans leurs textes anciens, quoi, je veux dire, les Vimana. Et vous avez vu la taille de l'Inde? Et puis, de toute façon, je ne sais pas, c'est le niveau de conscience qu'on a quand on est dans l'école, mais on oublie qu'au-dessus de l'école, il y a l'académie, au-dessus de l'académie, il y a le ministère, au-dessus du ministère, il y a les présidences, au-dessus des présidences, il y a la Breakaway Civilization, aussi la Breakaway Civilization, il y a les jardiniers, là, ceux qui ensemencent et se font la guerre entre eux et jouent avec la génétique sur toutes les planètes sur lesquelles ils se posent. Ils la terraforment et puis ils envoient un élevage. Reprenons. Donc, il y avait cette histoire de programme spatial secret américain, dont le but était de faire en sorte que des grandes corporations puissent rétro-ingénierer le matériel, cette technologie extraterrestre, et en obtenir des patentes américaines, ce qui signifie que les Américains qui payent leurs impôts n'auraient aucune information. Parce qu'on ne peut pas demander d'informations de la part des corporations, on peut en demander de la part du gouvernement. Le FOIA, les actes d'information 20 ans après la classification des dossiers, on peut les proposer au gouvernement, mais pas à une compagnie privée. C'est quoi là, le nom du dernier accord transatlantique qui permet à des compagnies privées de porter plainte contre les gouvernements? Non seulement nous, on ne peut rien leur demander, mais elles peuvent porter plainte contre nous. Et c'est quand qu'on leur rectifie les rotules? Non mais c'est quand? Mais on descend tous dans la rue, là. On monte à chaque étage. Le service de sécurité. Mais 100 000 personnes autour du bâtiment, là. 100 000 personnes autour du bâtiment, mais c'est, je ne sais pas moi, il faut faire des couches déjà. Non mais c'est quoi ça? Puis de toute façon, on envoie l'armée. Ah, mais notre gouvernement est aux ordres de ces compagnies. Non mais on en est où là? Vous allez voter? Vous êtes sûr que vous allez aller voter dans un système pareil? Mais là, c'est sûr que vous donnez votre droit à ces compagnies de se comporter envers vous comme elles le veulent. Puis, de toute façon, ils s'en foutent des lois. Il faut se rendre compte de ça. Je crois que la sympathie humaine n'est pas dans le cœur de tous les gens que vous rencontrez, quoi, et notamment de ceux qui sont au pouvoir en général. Et que c'est vraiment la dernière des raisons pour en plus les respecter. Mais ils s'en foutent de nous, là, du coup, ils peuvent. Vous vous rendez compte? Ils nous massacrent et nous, en plus, on dit oui, merci, excusez-nous.
Bon. Donc, dans un mémo à la CIA, JFK sait qu'il y a des cas d'extrême menace de la part des ovnis. En cas, est-ce que je répète ça pour tout le New Ager bisounours? Il y a des cas où les ovnis sont d'une extrême menace. On sait ici, sur ma chaîne en tout cas, grâce à Linda entre autres, qu'il y a trois races Ziti qui se disputent la suprématie sur Terre et la possession des lieux et de la faune et de l'humanité. Nous sommes un bétail. Nous sommes un zoo. La Terre est un zoo. Et il y a trois espèces de Ziti qui se disputent. Alors, elles ont toutes les trois plus ou moins participé d'ailleurs à l'état de la situation de la planète d'aujourd'hui, à la situation et à l'état, à notre état génétique. Donc, ça leur donne peut-être le droit à toutes les trois de. Enfin bon, ça leur donnerait aussi le droit de nous le dire. Moi, je ne sais pas où. Comment dire? Le Far West, élevage, voleur de troupeaux, vous voulez piquer le troupeau de celui d'en face? Est-ce que vous mettez les vaches au courant? Je ne sais pas. Est-ce que ça va beaucoup arranger les choses? Je ne sais pas. Bon, reprenons. Kennedy avait aussi envie de reporter la guerre froide. Ça aurait fini par créer des ponts de collaboration avec l'Union soviétique. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, l'Union soviétique était le seul autre élément capable de dupliquer, que je dis élément nation, hein, personnage de l'action, quoi, capable de dupliquer la technologie alien de la même manière que ça se faisait aux États-Unis. Au Japon, en Chine, il n'y avait pas ça. Il n'y avait que ces donations qui étaient sorties suffisamment à l'aise de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir le niveau technologique pour s'attabler à ce genre de problème. JFK voulait un monde de paix pour tout le monde, ce qui est vraiment ce que tout le monde désire aussi. Encore, donc je ne pense pas qu'elle va parler là, mais il me semble aussi qu'il voulait toucher à la réserve, à la Fed, la réserve fédérale américaine, qui est une compagnie privée, hein, malgré son nom de fédéral. Et ben alors de cela, du coup, là, c'est vraiment le truc à pas dire, quoi. Si vous voulez le faire, faites-le, mais ne le dites jamais avant. Et même après, ne l'avouez pas. Non, parce que vous croyez que vous avez annulé ce genre de société secrète, finalement, hein. Ben, tous ces gens-là, ils ont une devanture officielle, mais ils font tous partie de clubs secrets. Donc, vous croyez que vous avez annulé la chose, mais en fait, c'est comme une hydre, hein. Vous coupez une tête, il en repousse une autre, ailleurs, au moins une, et au moins ailleurs. Donc Kennedy, c'était simple, hein. Au lieu de gaspiller tout cet argent dans la guerre froide, on s'unit, on met nos connaissances en commun, et on explore le cosmos ensemble, en paix sur Terre, en paix ensemble dans l'espace, à l'exploration. Et en union, hein, parce que s'il y a vraiment trois espèces là, elles ne vont pas non plus supporter vraiment très longtemps, a priori, hein, parce que je ne suis pas sûr que finalement il y ait plein d'autres espèces d'un conseil galactique international. Enfin, je ne sais pas, quelque part, on n'en voit pas beaucoup les effets. Ou si on en voit les effets, ben, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il n'y aurait plus rien du tout. Je ne sais pas. Vous voyez, qui se mettrait en tête d'intervenir et de dire aux trois, là, mais vous êtes tarés, là, vous ne respectez pas les grandes lois cosmiques, le respect de la vie, ou de, je ne sais pas, hein, un peu hypothétique, parce que ça découle très souvent des notions du bien et du mal que nous, humains, pouvons avoir et qui sont parfois très différentes suivant l'éducation qu'on a eue et les concepts qu'on adopte. Donc, voilà. Il est aussi possible qu'avec la connaissance que JFK avait des ovnis, son idée d'aller sur la Lune ne faisait pas du tout appel à Saturne V, mais directement à l'antigravité ou au moteur neutronique. Auquel cas, du coup, là, vous avez maintenant tout le cartel du pétrole qui va dire « Oh là !» Mais ils vont changer de carburant, ou là, mais ça ne va pas le faire non plus. Et hop, le cartel du pétrole, il dit « Je peux participer, là ?» Hein, enfin, si vous avez besoin d'un coup de main, nous sommes là.
Et puis, on n'oublie pas qu'en plus, c'est les mêmes qui font partie des grandes compagnies financières et qui ont des agents ou des atouts dans les services de renseignement. Le service de renseignement, c'est le bras armé des compagnies privées, quoi, en fait, hein, aujourd'hui, vous avez compris. Il y a même d'ailleurs des compagnies privées uniquement de style Blackwater ou XE. Donc, ce mémo est super important puisque ça montre que le président ne peut pas être autorisé à savoir tout ce que c'est le MJ-12. Et d'après Bob Wood, c'est très clair que cette opération était anticonstitutionnelle, ne montrant aucun respect envers la Constitution, la démocratie. C'était un îlot de manipulation majeure et de contrôle sur les plus gros secrets américains, une présence intelligente alien, extraterrestre, hein, alien, en tout cas non humaine. Je dis non humaine parce qu'ils peuvent être sur Terre transdimensionnels, ils peuvent être sous Terre, vous voyez, ils peuvent avoir une autre forme que l'humanité, ils peuvent être invisibles, ils peuvent être nano. Oui, ils peuvent être nano. Donc, dans le domaine du MJ-12, là, il y a un projet qui s'appelle MJ-Jéhovah, incluant Einstein et Oppenheimer, qui a été mis en charge de mettre en application la formule E égale MC2 dans un dispositif qui pourrait faire exploser une bombe atomique. Robert Oppenheimer, qui en juillet 1945, à White Sand, a fait ses essais nucléaires avant qu'on puisse balancer deux bombes sur Hiroshima et Nagasaki, en cas deux bombes balancées par l'armée sur des populations civiles. Et comment vous appelez ça? Ah, ben c'est du terrorisme. C'est un crime de paix, un crime de guerre. Et vous savez que pendant la guerre américaine, entre les Américains et les Japonais, la population japonaise immigrée aux États-Unis a été envoyée dans des camps de concentration par précaution. Oui, oui. C'est pas un dossier qui est passé à Nuremberg, ça, il me semble. Et je ne vous parle pas non plus des activités des Japonais dans leur camp de prisonniers au niveau biochimique. Ils n'ont rien à envier au docteur Mengele. Et les Anglais ont été les premiers, je crois, à inventer les camps de concentration en Afrique du Sud, du temps de la révolte des Boers, ou un truc dans le genre. Ça non plus, c'est pas passé à Nuremberg. Et puis, personne n'en parle non plus. Enfin bon, c'est pas tout à fait le sujet. On va reprendre. Donc, on en était à Hiroshima et Nagasaki, qui ont été officiellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que tout le monde n'a pas signé la reddition. Hein. Ben, en fait, vu en plus ce qui s'est passé plus tard avec l'opération High Jump, a priori... c'est plutôt les nazis qui ont gagné sur l'armée américaine. Enfin bon, de toute façon, comme il y avait déjà des nazis partout dans les hautes industries américaines, dans la finance, dans les services de renseignement, il n'y avait même pas besoin de dire au reste du monde que les Américains avaient perdu. Et au contraire, ça gagnait le nom des vainqueurs. Donc finalement, Jim Mars, dans sa vidéo « La montée du 4e Reich aux États-Unis », était juste en train de faire un reportage, quoi. Hein. Donc je ne dis pas que ce soit les seuls au pouvoir sur Terre, là, maintenant. Mais voilà, quoi. En tout cas, ce n'est pas officiel. Il doit y avoir du jésuite aussi. En même temps dedans et en même temps en face. Évidemment, jésuite. Et il doit y avoir des ETs là-dedans, des hybrides, des contrôles mentaux, des portails organiques. Il doit y avoir tout ça. Vous savez que derrière la 5G, il y avait des participants aux conférences qui n'étaient pas humains complètement et d'autres pas du tout. Et c'était des conférences qui, énergétiquement parlant, étaient très encadrées d'entités qui influençaient les intentions
des gens dedans. Les domaines de recherche ésotériques et occultes, plus ou moins, le remote view et d'autres moyens nous ont décrit ça. Et ces compagnies de 5G ne sont pas officielles. Enfin, elles n'ont pas été élues. Les représentants prennent des décisions dont les effets sur la santé n'ont pas été testés. On n'est pas du tout obligé d'obéir ni d'accepter. La 5G, c'est ce que j'appelle aujourd'hui le 5génocide. Et comme ils adorent le diable, pour eux, c'est le Saint-génocide, évidemment. Mais bon, c'est pas drôle du tout, hein. C'est une catastrophe et il y a urgence. Ils n'arrêtent pas de balancer les satellites en l'air. Vous pouvez démonter une antenne, là. Démontez un satellite, s'il vous plaît. Et le poste de contrôle du satellite, il est bunkerisé et hyper défendu, a priori, puis de toute façon, on ne sait même pas où il est. Non, là, on a un énorme problème. Il faut réagir tout de suite et de manière massive. On reprend. En juin 1947, souvent, on associe Kenneth Arnold, qui disait avoir vu 9 vaisseaux ricochés sur l'air. J'ai dit objet, hein, comme vous avez vu, hein, ça ressemble plutôt à des croissants qu'à des scoops. Une semaine après, 3 véhicules sont arrivés sur Terre, un entre Roswell et Corona, un près du site Trinity à White Sands, un autre à 30 miles à l'est, donc à l'est dans une réserve indienne, vers Almagordo, je crois. Une personne qui était assez versée dans les informations secrètes sur Roswell m'a dit que de première main, il avait des informations à propos du vaisseau qui était arrivé vers Roswell, quand ils avaient pénétré à l'intérieur, qu'ils avaient appuyé sur le mur, une sorte de porte s'était créée dans le mur, ils ne pouvaient pouvoir même pas le fonctionnement. C'est comme si les molécules du mur s'étaient à ce moment-là formées en forme de porte. Et dans cet ovni, il y avait des morceaux d'animaux, un petit peu ce qui pourrait être le résultat des mutilations animales, de ce qu'ils récupèrent. Est-ce que, au vu de ces informations, Truman a été effrayé, a créé donc la CIA pour s'occuper de ces dossiers, a créé le MJ-12 en même temps, en septembre 1947. Ça, c'est après l'affaire Kenneth Arnold. Donc, à propos du projet MJ-Jéhovah en 1953 sur ce document, parce qu'il y a un autre document qui parle du même projet, mais en 1947. Avant que Truman ne sache quoi que ce soit à propos du crash de 1947 à Roswell, mais de manière évidente, ces gars étaient au courant du cas de Cape Girardeau. Et puis, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et toutes ces observations de lumière, les Foo Fighters, tout ça est mélangé avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors, voici un document daté de juin 1947, dont les auteurs sont Albert Einstein et Robert Oppenheimer. « I am now the killer of the world ». Oui, c'est ce discours de fou qu'il avait fait alors qu'il venait de faire exploser la bombe atomique, se comparant à Shiva, et montrant par là qu'il avait connaissance de la traduction de la Bhagavad Gita, je pense, où il était fait mention des explosions nucléaires lors de la guerre entre Shiva et je ne sais plus qui, en Inde, il y a des milliers d'années de cela. Ce qui est prouvé, hein, parce que sur place, on a encore les ruines, la vitrification, les coins radioactifs et tout. On a tout ça. Ouais. Ah, vous n'étiez pas au courant? C'est ballot. Hein. Bah, ici, tout le monde est au courant maintenant, mais bon, ils ne sont pas au courant, là. Non, il y a déjà eu des gens qui ont eu mieux que nous sur Terre, il n'y a pas si longtemps. C'est quand même bizarre qu'on ne soit pas au top de l'évolution humaine. Hein. On nous aurait menti. Ah. Reprenons. Voici une photo, hein, ou un dessin peut-être, de la part de Kenneth Arnold, de son observation. Et alors, ces objets semblaient surfer sur les couches d'air, rebondir comme des ricochets. Et il y en avait 9. Les relations avec des habitants de corps célestes est le sujet de ce document
d'Einstein et Robert Oppenheimer. Il nous parle de Céleste. Donc, ce document est intitulé « Relations avec des habitants de corps célestriels ». Céleste. Mais bon, ils l'ont épelé célestrial. Et sur le long de 12 pages, ces deux physiciens brillants, donc ils sont mis au courant par le MJ-12, qui est en possession de corps extraterrestres et de vaisseaux. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la voie morale et pratique d'action? Est-ce qu'on en parle à la Terre entière? Et donc, en fait, c'est 6 pages. Et on arrive là à la racine de toute la saga qui concerne les affaires extraterrestres et la Terre, pas uniquement depuis les 70 dernières années, mais plutôt 70 millions d'années. Bon, aujourd'hui, en général, elle parle de 270 millions d'années. Mais enfin. Donc, la situation était... Ouais. Comment se comporter avec l'humanité vis-à-vis de ces informations sur la présence alien? Il y avait l'idée de proposer l'assimilation pacifique d'une espèce extraterrestre, de telle manière que notre culture humaine reste intacte, obligerait que la présence extraterrestre ne soit pas révélée. En cas, vous connaissez l'histoire du culte du cargo sur une île du Pacifique, on va dire, hein. C'est à moitié un exemple et puis à moitié la réalité. Il y a une expédition qui est arrivée en avion. Ils sont tombés sur des primitifs, papou, papapou. Et ils leur ont apporté, la connaissance d'un pouvoir incroyable. Avec un fusil, vous tuez quelqu'un, le plus gros guerrier à 30 mètres, ça jette quand même. Et en même temps aussi, ils leur ont apporté des vivres. Et de la médecine, et peut-être la radio et tout ça. Enfin, des éléments de société, de civilisation qui les ont fait passer pour des dieux à leurs yeux, de primitifs. Ben, ce qui s'est passé quand Yahvé, il est tombé sur Moïse, quoi. Moïse, il a dit, oula, ça c'est Dieu. Mais non, c'est la même manière. Et donc, quand cette équipe d'explorateurs est repartie de l'île, la tribu locale a carrément monté une effigie en forme d'avion comme étant le totem auquel ils allaient faire les offrandes après, en espérant qu'ils allaient revenir, pour qu'ils reviennent, pour de nouveau avoir des vivres et tout ça. Ben voilà, quoi. Vous voyez, hein, ça se reproduit. Donc le problème, en fait, c'est que quand une civilisation supérieure se dévoile à une civilisation inférieure, la civilisation inférieure, en général, est annihilée. Elle disparaît. Que reste-t-il des pays primitifs que l'Ouest, l'Europe, quoi, a colonisé dans leur intégrité primitive, naturelle? Rien. Maintenant, ils sont tous au même niveau que nous et dans la même donc maintenant, quand on se rappelle Douglas Cathy ici au centre allant au repas, alors il est possible que ce soit Bob Wood là. Et là, je ne sais pas, mais bon, non. Quand il allait à ce repas avec Lee Howard Hunt, donc, lors de ce repas-là, il parlait de documents qu'il voulait, ayant à voir avec l'assassinat de JFK, que les services cubains étaient supposés avoir. Là, un gros plan, là, vous voyez, hein, le chauffeur, le garde du corps, le député Dougherty, je crois, qui va se prendre une balle dans l'épaule aussi, avec je ne sais pas qui à côté. Et là, JFK... Et sa femme, Jacqueline Kennedy, mais avant Boissé, comment elle s'appelait? Je ne me rappelle plus. Une Française. Donc, les services cubains auraient eu ces documents secrets en rapport avec le DNC. C'est des documents que Nixon voulait. ABJ les voulait. ABJ, ça peut être qui ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas lier là les dossiers OVNI avec le Watergate, l'Ireland Contra, la création de cette continuité de gouvernement? Ben, encore, c'est quelque chose qui a été remis au goût du jour après le 11 septembre. C'est le fait que si jamais quoi que ce soit se produisait avec le gouvernement actuel, il y a déjà en place un gouvernement secret qui prend immédiatement en charge les affaires de la nation.
Là, si aujourd'hui vous faites péter l'Élysée, ils s'en foutent, les autres, là, les banquiers. Là. Parce qu'il y a déjà un gouvernement secret qui est en place. Il y a un vice-président, un vice-premier ministre, un vice-tout caché. A priori, quoi, aux États-Unis. En France, peut-être pas. Sentez l'espoir qu'il est. Hein, bon, je rigole un peu. C'est bien, hein, un peu de naïveté. Parce que même si on n'a pas de gouvernement secret, il y a les ovnis, Ziti. Là, ils peuvent se débrouiller, ils font des trucs, quoi. Ils ont, je sais pas, balancent une tempête sur toute la France et c'est bon, quoi. On a pour un moment avant de se remettre. Je reprends. Donc, il nous parlait aussi de la création de la force spatiale. Tout ça remonte autour de l'assassinat de JFK et de la bataille autour de cette situation. La bataille autour de la situation du secret autour des ovnis et de la technologie et des aliens. Alors, Ankara, évidemment, vous me dites, mais tu nous parles encore de ça? Ben oui, je vous parle encore de ça avec un autre biais. Parce que il y a urgence que tout le monde sache que les ovnis, les aliens, ça existe, c'est là. Il y a urgence, il y a vraiment urgence. C'est un niveau politique immédiat. C'est pour l'hygiène de vie quotidienne actuelle de chacun que c'est important. Voilà. Hein. Et comme ça va faire peur, dites-vous bien que c'était déjà comme ça hier et que ça n'impactait pas plus votre vie, mais que la connaissance de ce fait-là aujourd'hui va au contraire améliorer votre vie grandement. L'a changé radicalement, mais alors vraiment, ça, tout le monde part en vacances, là, par rapport à la vie d'avant. Tout le monde gagne l'euro million, là, quelque part. Bon, on continue. Cette idée qu'il y ait des compagnies qui peuvent agir dans l'impunité, gardant des secrets sur les ovnis, sur les dossiers ovnis, qui peuvent même amener jusqu'à l'assassinat. Ah oui, 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 absolument, nous dit Linda. On peut considérer qu'ils vivent dans leur propre monde, une île séparée des États-Unis d'Amérique, bon, puis du reste du monde. Hein. Et leur boulot était de garder secret toutes les informations à propos des ET et des OVNI. Très, très loin des yeux et des oreilles du public ou de la presse. Encore, de toute façon, ils maîtrisent toute la presse parce qu'ils ont balancé après le projet Mockingbird. Toute notre presse aujourd'hui est soumise au lobby. Des scientifiques aujourd'hui se lèvent contre la 5G, on ne les laisse pas parler. Des scientifiques se lèvent aujourd'hui contre l'escroquerie du GIEC, on ne les laisse pas parler. Des scientifiques aujourd'hui ont les bonnes données solaires qui disent que l'humanité n'a rien à voir dans le réchauffement climatique ou dans la perturbation climatique, qu'elle est cyclique, elle est d'origine solaire, mais ça ne passe pas le barrage de la presse, des médias, qui sont toutes aux mains de 9 milliardaires en France, hein, qui ont toute la même engeance derrière. Et on continue ou pas? Parce qu'on va revenir au même endroit. Reprenons. Et donc, elle nous dit que toute menace à cet état d'ordre, à cet ordre des choses, est une menace, justifie l'assassinat, l'élimination, dans l'esprit de ces gens. Et voici la vraie histoire de l'évolution depuis Truman, Eisenhower, Kennedy, la création de la CIA 47 par Truman, parce qu'il y avait eu ces crashs et ses corps d'extraterrestres, hybridés, clonés, allez savoir. Et aujourd'hui, la division, cette schizophrénie du gouvernement américain, à mon avis, nous dit Linda, le vrai cœur de tous nos problèmes nous vient du fait de vivre dans une nation qui n'est plus unie depuis la création du MJ-12, la CIA. Eh bien, DJ remercie Linda Muldoon-Howes, et c'est la fin de cette première partie de leur interview. Même si c'est la fin aussi en même temps de la deuxième vidéo due à mon bug sur cette première partie. Je souffle un peu. Et nous allons bientôt reprendre, quand elle sera diffusée, la première partie de la deuxième demi-dalle d'ici Rome. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que je n'ai pas trop perturbé votre raisonnement avec mes encarts. Et je vous souhaite un bon courage. Je vous dis, hein, donc c'était déjà comme ça hier, il n'y a pas à flipper. Au contraire, ça va s'améliorer normalement. Normalement, ça s'améliore si on réagit. Si on ne réagit pas, ça s'aggrave. Et c'est la dernière qui sonne.
si cette tentative de réaction ne fonctionne pas, il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura plus d'état d'esprit autonome par la suite. Hein? Contrôle mental, chemtrail, Wi-Fi, 5G, police partout, justice nulle part. Bon, donc, bon courage et soyez braves, faites quelque chose. C'est une formule que je trouve sympathique et que je reprends là. Merci, à plus. Ciao.